Quand on connaît l'histoire des aviateurs français du Normandie-Niémen, on est toujours surpris de découvrir, caché sous les ombrages du célèbre cimetière de Moscou, le dialogue muet entre deux soldats inconnus, deux combattants anonymes qui sont venus de France pour mourir en Russie. Un face-à-face pour l'éternité entre l'envahisseur des guerres napoléoniennes et le libérateur de la dernière guerre mondiale. La logique pour les Russes, c'est peut-être que les soldats du général de Gaulle ont racheté la faute des soldats de l'empereur Napoléon. Peut-être, aux yeux de la Russie, ces Français ont-ils tous un point commun. Ils étaient courageux et ils aimaient râler. En somme, tous des grognards. Je connais bien les grognards de Gaulle. J'étais l'un d'eux. Tragédie de la dernière guerre mondiale, vous vous demanderez ce que représente le combat d'une poignée de pilotes français.